Ce dimanche 25 février sera celui de tous les dangers en République démocratique du Congo. Au centre de cette appréhension, la marche pacifique anti-Kabila prévue par les catholiques. L'initiative a été interdite ce samedi par les autorités. Dans une lettre adressée aux organisateurs, André Kimbuta, le gouverneur de Kinshasa, a fait savoir que sa ville ne saurait garantir à cette manifestation un encadrement efficient, faute d'itinéraire. Reste à savoir si les catholiques respecteront l'interdiction des autorités congolaises ou s'ils choisiront de braver cette directive. L'Église catholique demande toujours l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Décidé d'en découdre avec Joseph Kabila, l'épiscopat a demandé aux Congolais de demeurer debout. Les deux dernières marches organisées par les catholiques ont été réprimées dans le sang. La répression a fait 15 morts selon les organisateurs, 2 selon les autorités.